Alors nous sommes en direct du Palais des Festivals donc pour un film qui s'appelle Les Chatouilles, Gérard Chargé pour Cinézoom et pour la radio du cinéma. Il s'agit pour cette chronique du film Vu à un certain regard, Les Chatouilles, un film d'Éric Métayer et de sa compagne Angelica ou je ne sais plus, Bescon. Donc c'est un film que je vous conseille vivement lorsqu'il sortira, car Les Chatouilles, ce n'est pas une comédie finalement, comme son titre pourrait l'indiquer, parce que Les Chatouilles, eh bien, c'est ce que les pédophiles disent qu'ils font aux enfants lorsqu'ils pratiquent justement quelque chose d'inavouable et quelque chose de malsain pour les enfants. Donc ce film-là, Les Chatouilles, parle de cette famille qui a un ami très proche et qui, pendant plusieurs années, va violenter leur petite fille de 10 ans jusqu'à un certain âge. Et en même temps, cet enfant, quand elle aura la trentaine, eh bien, va comme elle ne s'en est pas remis, vous voyez, c'est un film qui est heurtant, mais en même temps, c'est un film nécessaire. Elle va vers la trentaine, et bien finir par porter plainte sur les conseils d'amis, sur les conseils de personnes qu'elle voit. Le film est magnifiquement réalisé parce que c'est sous forme de rêve, et en même temps, elle est avec sa psy, et c'est quelque chose qui nous bouleverse, parce que voilà, ça pourrait arriver à tout le monde. Donc c'est un film qui est une mise en garde, un film pour les parents, pour qu'ils parlent à leurs enfants, et c'est un film aussi pour les enfants qui peuvent être vus à partir d'un certain âge, pour justement qu'ils sachent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, lorsqu'une personne vous fait des chatouilles. Donc il y a chatouille et chatouille, et là, je peux vous dire que c'est un sujet qui gratouille. Je vous remercie, à demain pour une autre chronique sur Cinézoom.